Dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété liant la mesure d'un angle inscrit et la mesure de l'angle au centre correspondant, c'est-à-dire qui intercepte le même arc sur le même cercle. Pour cela, nous avons tracé un cercle de centre O, nous avons placé deux points A et B, puis un point P n'appartenant pas au petit arc AB, ce petit arc on peut le colorier si vous voulez. Pour cela, on vient ici, on va chercher arc centre deux points, donc arc centre point A point B. Voilà, ce petit arc on peut le colorier. Donc on vient ici, propriété, couleur, on peut choisir par exemple le rouge. Voilà, et le colorier. Nous allons mesurer à l'aide de ce logiciel l'angle inscrit APB et l'angle au centre AOB. Pour cela, on vient ici, angle, un clic sur A, un clic sur P, un clic sur B. Vous voyez, la mesure ici, c'est alpha égale à 30 degrés. De même, on a mesuré l'angle au centre AOB. Le logiciel affichait bêta égale à 60 degrés. Vous voyez maintenant, grâce à ces deux valeurs, la relation entre ces deux angles. L'angle au centre mesure 60 et l'angle inscrit APB qui intercepte le même arc mesure 30. On sait très bien que 30, c'est la moitié de 60, ou bien 60, c'est le double de 30. On peut donc dire que l'angle au centre AOB mesure deux fois l'angle inscrit APB qui intercepte le même arc. Nous allons voir est-ce que cette propriété est valable pour les autres mesures. Pour cela, on va faire varier le point A sur le cercle ou bien le point B de façon à faire varier la mesure de cet angle AOB et en même temps, bien sûr, la mesure de l'angle APB. On déplace le point A et vous voyez qu'à chaque position de point A, la mesure de l'angle AOB est bien le double de la mesure de l'angle APB. On peut dire aussi que la mesure de l'angle inscrit APB est la moitié de la mesure de l'angle au centre correspondant AOB. Vous voyez, pour n'importe quelle position du point A, vous pouvez aussi faire varier le point B, ça revient au même. Bien que, bon, on peut faire varier aussi le rayon de ce cercle. Donc cela ne dépend pas de rayon de cercle, ça dépend uniquement de ces deux angles. Peu importe le rayon, la propriété est la même. Donc que ce soit un petit cercle ou un grand cercle, vous voyez, on obtient le même résultat. Donc la propriété est donc très claire. Pour chaque position de point B ou de point A, l'angle APB mesure la moitié de l'angle au centre AOB correspondant. On peut dire aussi que la mesure de l'angle au centre AOB est égale à deux fois la mesure de l'angle inscrit APB correspondant, c'est-à-dire qui intercepte le même arc AB.